Je suis un prophète, le prophète Gâteau. Et la prophétie s'annonce beaucoup sur moi. Nul n'est prophète chez soi. C'est pour ça que chez moi, je ne suis pas prophète. Mais dans le fond, je sais que vous m'aimez. Je suis quelqu'un qui voit l'avenir et qui prédit. Mon frère jumeau, il est pasteur au nord. Moi, je suis humoriste camerounais, mais nous avons toujours cette force de pouvoir prédire, de pouvoir voir certaines choses et de voir des personnes très négatives. Pour ceux qui ne vont pas croire, c'est votre problème. Moi, je vous avais parlé de ce gars, de cette dame. Pistine, la pifette. Je vous ai dit, et vous allez confirmer, je vous avais dit que Pistine, c'est une personne, c'est une dame sadique, méchante, obséquieuse, escroc. Une femme qui est escroc, c'est escroc, non, c'est escroté. Escroc, prenons ça comme ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir les gens heureux, qui aime détruire. Tous ces jeunes, je vous ai posé une seule question. Il fait dans quoi? Posez-vous d'abord la première question. Puis il faut faire dans quoi? Dans rien du tout. Ni comédien, ni humoriste, ni même manager qu'on parle, ni producteur. Il n'est dans rien. Mais vous ne vous posez pas la question qu'il fait, comment il signe des contrats, par rapport à quoi? Par rapport à quel métier? Il sait où il est. Et dans son monde où il est, il faut qu'il détruise des gens. Dans son monde, on lui a demandé que tu dois détruire la jeunesse pour prospérer. Robinson Pifo, moi je vais réfléchir. Il a été conçu pour détruire la jeunesse. C'est-à-dire jeunesse, même, même les mères, même tout le monde, tout ce qui est bien, il doit détruire. Pifo, l'année, tu ne dois pas te louper. Voilà la prophétie. 2024, il ne doit pas te louper. Cherche à te repentir très vite. Demander pardon et de marcher selon la droiture. Nul n'est pas fait, mais d'essayer de faire un peu la part des choses. Sauter la mort des gens, c'est toujours seulement pour empirer ton état que Dieu a décidé dans ta vie. Il te laisse encore le temps pour te repentir. L'année sur 2024, rappelez-vous de ce jour. Nous sommes en août. 2024 ne va pas louper ce mec, cette dame. Bon entendeur. La baronne suisse, sois calme. Monsieur Valsero, sois calme. Tous les gens à qui il a fait du mal là, tous les gens à qui tous les gens qui l'a saboté, qui l'a détruit, qui l'a empêché d'évoluer là. Moi, on m'a appelé une fois pour me dire que Gâteau, on voulait t'inviter au nord. Mais et puis, il faut qu'il gère le dossier, il a demandé qu'on ne t'invite pas. Il dit que ça, c'est invité au nord et puis il faut bloquer. Mais attends, peut-être qu'il pourrait même prendre la voiture comme ça qu'il a accepté et mourir. Parce que celui-là n'aime pas voir les gens. Alors, c'est Dieu même qui a empêché. Mais méfiez-vous de cette dame, de ce mec, de cette femme. Il est les deux, donc je peux dire mec comme femme. Shakiro, qui parle de lui là. Shakiro et lui là, vous posez la question, c'était mari et femme. Ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien. Oui, la vérité va sortir et vous allez encore continuer à dire Gâteau, tu avais raison. Ce n'est que le début. Il faut reprendre toi vite. 2024, c'est ton année. La vidéo aussi que je vais faire maintenant, ce n'est pas pour répondre à cette dame. Moi aujourd'hui, je vais l'appeler, je vais l'appeler mec, parce qu'il est femme, homme, il est dedans. Donc, il faut aujourd'hui rester la homme. Alors, j'ai vu une lettre que tu as fait sur ton poste là, où tu as dit, sale gomme, mon fauteuil, c'est ce qui est dans mon balcon, et de deux, tu n'as pas d'aura, machin, que le conseil. Je vais répondre rapidement et très court. Moi, j'attendais même que tu fasses une vidéo, parce que depuis, tu as taquiné, parce que j'ai ton rage, j'ai tes mots. J'attendais que tu réponses pour que je parle. Toi, Pifo, je vais prendre du début, du général au parti, du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, partagez au maximum, vous allez comprendre qui est cette. Je vais toujours dire cette dame, je suis tellement habitué à l'appeler comme ça. Qui est ce Pifo? Il a écrit là que tu n'as pas d'aura. Vous savez pourquoi il dit que tu n'as pas d'aura? Parce que Pifo, c'est quelqu'un qui m'a testé. Un peu. Il est venu vers moi, me tester. Il a vu que je ne suis pas quelqu'un facile. Et puis il a préféré me détruire comme il a tenté de le faire. Ça, c'est le premier point. Toi, Pifo, tu as arrêté la main de qui jusqu'à la personne a réussi? Moi, j'ai fait. On a vu, j'ai arrêté la main de deux personnes dans le film. Ça veut dire que j'ai un aura assez positif. T'as bon ange, poupi, parmi, je répète toujours ça. Il y a les preuves. Allez sur YouTube, vous tapez les filles de l'heure. Vous allez voir producteur. Ma première série de 52 épisodes, 26 minutes. Les filles de l'heure, vous allez voir Marcel Coutier. Vous allez voir là-bas. Elle n'avait jamais tourné, ça avait moi qu'elle tourne. Cabron Angier pris sa main en 2018. Je suis bien fait, on a vu mon oreille positive. Maintenant, parlons des maisons. Tu as vu les fauteuils que tu as dénigré là tout à l'heure, non? Les fauteuils là, allez taper Caston. Allez taper Caston Meuble. C'est situé à Santa Barbara, Bonamou Sadi. Le fauteuil le plus moins cher là-bas, c'est 500 000. Je dis bien, le fauteuil le plus moins cher là-bas, c'est 500 000. Caston Meuble. Tapez ça sur le net, vous allez voir. J'ai pris mon fauteuil là-bas, c'est un fauteuil moins de 750 000 francs. Vous avez vu? Voilà, maintenant, puis pour toi, je suis entré chez toi, dans ton temple où tu détruis les gens là-bas, donc bon. Pourquoi tu fais toutes les vidéos dans les voitures? Pourquoi tu ne le fais pas chez toi? Tu ne peux pas montrer ta maison aux gens. Donc le défi que tu lances, fais une vidéo chez toi, comme ça, comme moi, il fait chez moi, je montre les whisky, je montre ma télé, je montre mon fauteuil que tu dénigres qui coûte 750 000. Tu montres, tu payes là-bas. Tu es toujours en train de faire soit dans la voiture, soit au balcon. Montre-le chez toi, je suis arrivé chez toi là-bas, même une chaise, tu en as, là où tu loues là. Là où tu as une chaise, tu as transformé en studio, il n'y a rien, tu ne peux pas recevoir quelqu'un chez toi. Parce que tu es malheureux. Dans ton âme même, tu n'es pas tranquille. Ta vie est détruite. Tu passes ton temps à détruire des gens. Moi, je dis, et en plus, moi, je mange à la sueur de mon front. Je ne mange pas à la sueur de mes fesses pour des conditions. Je mange à la sueur de mon front. Ça veut dire que le jour qu'il y en a, non, je fais avec. Le jour qu'il n'y a pas, il reste tranquille. Je ne suis pas obligé de me compromettre comme toi. Faire des choses ridicules pour détruire des gens, pour avoir de l'argent, jamais. Moi, je fais selon la volonté de Dieu.
Je ne vais jamais vendre le rêve aux gens. Comme vous, vous passez le temps à vendre le rêve. Je ne vends pas le rêve. Je suis un gars réaliste. Je suis un gars véridique. Je suis un gars droit. Je marche selon la volonté de Dieu. Donc, ne te compare plus jamais ou ne te compare plus jamais à moi. Tu me dépasses avec ton argent. Hein. Tu me dépasses avec ton argent. Mais dis bien, mon argent, c'est la sueur de mon front et non la sueur de mes fesses. Tu as compris? Voilà, je t'ai dit, je répète encore. 2024, si la condition c'est celle-ci, tu ne te répands pas, tu arrêtes de faire du mal aux gens. Si tu n'arrêtes pas de dénigrer, de détruire les gens, 2024 ne va pas te oublier. Dieu me l'a révélé. Tu vas voir. Je t'ai répondu. Et si tu veux, allez taper casse ton mais vous allez voir le prix. Tu parles de fraîcheur, tu parles de. Tu peux porter un des habits que moi je porte. Je fais les spectacles chaque samedi. Chaque semaine, je vous montre un habit. Ceux qui peuvent témoigner, écrivez en commentaire. Tu peux t'habiller que moi, Pipo. Tu parles maintenant de ton émission, c'est quoi? Il y a un cousin qui faisait une émission. L'émission Le Challenge de la Ménagère, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui a aujourd'hui près de 8 ans, que je faisais depuis à LTM Télévision. Et avant même son site, là, j'avais ça en cours pour relancer. Est-ce que vous savez, j'avais ça en cours depuis pour relancer. Donc, je ne savais même pas qu'il y a une émission, je ne me comparais jamais aux gens, je ne copie jamais. C'est moi plutôt qu'on copie. C'est moi qu'on est mis dans ce Cameroun. Parce que je suis unique à mon genre. Mon aura est spéciale et unique. Vous m'avez boycotté partout, mais Dieu me bénit toujours parce qu'il voit mon cœur est pur. Vous avez bloqué, vous créez les publicités, vous créez tout votre monde là. Mais moi, Dieu me bénit. J'achète mes voitures, je construis ma maison, je vis doucement et en paix, j'élève mes enfants. Montre-le chez toi, le challenge lancé, montre-le chez toi, je montre-le chez moi. Bienvenue à l'Institut de beauté de Mana House. Le Mana House ouvre ses portes à tout jeune passionné de la beauté. Le Mana House est le meilleur centre de formation en esthétique, coiffumiste et autres. Pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie, au piano, à la guitare ou encore chanter, rendez-vous chez Mana Music. Le Mana House est situé à Bafoussam, près du complexe Saint-James, quartier de l'Insein.